Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo que je devais vous faire déjà depuis un petit moment, car c'est un article que j'ai acheté sur Amazon depuis le 24 juillet et j'ai pas trouvé le temps de vous faire la vidéo. Bon. Donc, voilà. Donc, c'est la tablette de aquarelle alors de Winsor & Newton. Comme vous avez vu, il n'y a pas longtemps, je vous avais montré les aquarelles d'action. Je vous avais montré une aquarelle que moi j'avais de la marque. Bougez pas, elle est pas loin, elle est là. Hop. Alors, Deller et René. Voilà, celle-ci. Mais bon, elle est toute petite. Et donc, je voulais une palette d'aquarelles avec quand même beaucoup plus de couleurs. Et j'avais essayé celle de donc d'Action, mais bon, elle ne me plaise pas. Et je crois que c'est une abonnée qui m'avait conseillé cette marque. Donc, Winsor & Newton. Voilà. Je ne les ai pas encore essayées. Vous allez voir la boîte, elle est encore toute neuve. On va l'ouvrir. Hop. Voilà, je vais mettre le carton sur le côté. Alors, voilà la boîte. Comme ceci. Alors, vous l'avez. Vous avez une première palette ici. Et vous avez une deuxième palette ici pour faire le mélange de vos couleurs. Et vous avez toutes vos couleurs, donc ici. Voilà. Donc là, elles sont toutes emballées. Je vais vous les déballer juste après, tout en godet. Donc là, il y a quand même pas mal de couleurs, de jolies couleurs. Bon, la seule chose qu'il y a, c'est qu'il y en a, on en a deux. Le noir et le blanc qui est en double, mais bon, ça c'est pas grave. Je sais qu'elles sont toutes comme ça. Alors, ça par contre, alors c'est écrit tout petit par contre, alors je n'arriverai pas à lire. Je ne saurais pas vous lire les noms des couleurs, mes yeux sont trop petits. Alors, je vous montre les godets, comment ils sont. Alors, voilà ce que c'est. Donc, moi, je vais vous les déballer pour vous les montrer. Je garderai certainement les étiquettes pour faire mon nuancier. Je ferai ça dans la semaine. Et par contre, pour faire mon nuancier, je vais les mettre sur un cahier que j'ai mis quelque part. Ici, voilà, en attendant, hop. Je les mettrai dans le cahier, voilà. Donc voilà, alors on a 45 couleurs dedans, les couleurs m'ont l'air très belles, c'est déjà pas mal. Donc, c'est une boîte en plastique, donc qui est solide, qu'on peut transporter partout si on fait de la pastel à l'extérieur ou quoi. Moi, j'en fais pas à l'extérieur, mais pour ceux qui en font à l'extérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les essayer. Pas toutes les couleurs, bien sûr, mais on va en essayer quelques-unes pour voir ce que ça donne. C'est une très bonne référence de l'aquarelle. Ça, je sais parce que j'ai regardé. Et donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc là, je vais les déballer. Alors, par contre, pour les déballer, il va falloir que je prenne peut-être mon ciseau. Parce que j'ai pas beaucoup d'ongles. Alors, on va voir comment ça donne le premier déjà. Bon, ils sont bien emballés en plus. Il y a beaucoup de plastique autour.
que je voulais vous montrer un premier godet. Voilà. Donc, voilà les godets. Donc, moi, ce que je vais faire, là, je vais les déballer et on se retrouve tout de suite. Parce que sinon, je vais passer une demi-heure avec vous à les déballer et ça ne va pas le faire. Donc, à tout de suite. Donc, ça y est, j'ai déballé tous les godets. Ouf! Donc, voilà, toutes les couleurs de la palette. Bon, vous allez dire qu'il y en a qui se ressemblent un peu, mais non, c'est des couleurs différentes, hein. Donc là, on a les jaunes, orange, rouge, donc les rouges foncés. Après, on a les bleus, les verts, le vert foncé, les marrons, les gris foncés, noirs et les blancs. Voilà. Donc, on va les essayer. Hop. Alors, pour ça, je vais essayer sur ce papier-là. Le papier aquarelle hein, spécial. Et je vais essayer donc avec alors ici les brushes donc Aquasoft. Donc là c'est le moyen, là j'ai le fin et le gros. Moi j'ai pris le moyen. Je prends un petit sopalin à côté de moi. Alors allez, on se lance et on essaye. Allez, on va essayer un rouge. Je vais vous... Hop. Voilà. Les pigments s'en vont très bien. Hein. Donc. Hop, on va essuyer le pinceau. On va essayer une autre couleur, le vert. Un petit peu trop d'eau sur mon pinceau, mais bon, c'est pas grave. Il est vraiment bien pigmenté. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre? Un bleu? Allez, on essaye un bleu. Voyez, hop. Alors, on va essayer de mélanger un peu de vert sur le bleu. Bon, c'est pas faire trop de mélange hein, de avec les aquarelles, je trouve. Alors, une autre petite couleur qu'on n'aurait pas essayé, un marron rouge. Oh là, il est bien marron, hein.
vraiment très bien aussi. Voilà, et là, il n'y a pas photo, hein, ça n'a strictement rien à voir avec ceux d'action, bien sûr. Là, on ne peut pas comparer. Hein. Qu'est-ce qu'une dernière, le jaune. Et pareil, toujours aussi bien pigmenté. J'ai hâte de pouvoir faire du colo avec. Très bien. C'est super. Donc, cela, donc cette boîte-là, en ce moment, puisque vous savez que les prix chez Amazon fluctuent régulièrement, ils sont à 48,50 à l'heure où je vous parle. Moi, je crois que je les ai, je ne sais plus à quel prix, mais je crois que je les ai à ce prix-là. Normalement, c'est une palette qui fait dans les 80 euros. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Je trouve qu'elle est vraiment top, vous voyez. Niveau couleur, là, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Je remonte la palette. Voilà les couleurs. Voilà. Bon, là, les couleurs, vous avez l'impression qu'il y en a qui sont pareilles, hein, mais c'est le reflet de la lumière qui fait ça. Donc là, c'est toute la gamme de marron avec les, après les gris foncés, le noir, le blanc, comme je vous disais, il y a les marrons clairs. Des verts foncés, des verts clairs, vert bleu foncé. Les bleus clairs sont là. Après, il y a des rouges. Voilà. Après, pour avoir d'autres couleurs, vous faites votre mélange avec le blanc. On va essayer, puisqu'on le sait, on ne l'a pas fait. Alors, par exemple, là, on va faire dans la palette. On voudrait un rose. Donc, pour un rose, je vais prendre du rouge. Voilà. Essuyer pour pas salir mon blanc. Donc là pour l'instant on est en saumon. Oups là, oh là là, allez. J'ai mis du noir. Je vais faire sur l'autre. Vous faites votre mélange de couleurs. Bon, là, à la caméra, ça fait un peu orange. Hein. Moi, j'ai saumon pour l'instant. Voilà, on commence à l'avoir rose. Bon, voilà, de toute façon, vous avez compris le principe. Maintenant, sur ma feuille. C'est parce que j'ai mis beaucoup d'eau.
Il faut que je mette moins d'eau. Hein. Voilà, mais j'ai mon rose. Voilà. Bon, là, j'ai mis beaucoup d'eau. Hein. Donc, c'est... Là, je vais l'essuyer parce que je ne veux pas que ça se renverse. Je suis gnac-gnac. Hein. Donc, il faut que ce soit propre. Pareil, si vous voulez éclaircir une couleur, vous faites aussi... Hein, on va éclaircir laquelle? La bleue. J'ai éclairci. Là, là j'ai un bleu ciel. Voilà. Après, vous travaillez donc vos couleurs comme ça, en faisant vos mélanges. Je vous ferai des tutos de temps en temps. Bon, quand on a une palette de pastel, il faut, on n'est pas toujours en train de la nettoyer. Mais bon, moi, je suis, comme j'ai dit, je suis un peu gnac-gnac, et puis là, elle est toute neuve. Voilà. Donc, je la remonte. Donc, la palette d'aquarelle de Winsor & Newton. Donc, il y a 45 demi-godets. C'est des demi-godets, là, parce qu'il y a des palettes où il y a des godets un peu plus grands. Mais là, bon, ça me suffit. Je ne fais pas de la pastel comme ça tous les jours. Hein. Donc, voilà. Donc, là, on referme ce côté-là. Déjà un petit plastique. Voilà. Et on referme ici. Et votre palette est fermée. Vous aviez un emplacement pour mettre le pinceau. J'ai oublié de vous montrer. Ici. Voilà, vous avez l'emplacement. Là, le mien ne rentre pas parce que c'est trop gros, ça. Mais quand vous avez des pinceaux normaux d'aquarelle, les pinceaux comme ça, je vais dire, par exemple, voilà, hop, ça rentre. Voilà, et avec une palette comme ça, bah, vous pouvez partir en voyage avec... ou en promenade si vous faites de l'aquarelle en vous promenant. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ah oui, ben voilà, je savais, on était en... J'avais fait un gros plan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.